Mais avant de présenter nos conférences, là, qui était dans notre défenseur plus, nous présenter sympathie par les journalistes qui sont victimes de manifestation hier 20 janvier, opposition politique l'a organisée. Donc nous vraiment regrettons qu'il y ait des journalistes qui ont agressé, qui ont blessé. Et là, ma pensée avec les journalistes Radio-Télévision Caraïbes, donc original Rémi, journaliste Radio-Télé-Guinée, qui ont agressé parce que les gens croient qu'ils vont dans la ligne, média ça. Journaliste à Alain TV et de l'autre monde encore qui est victime dans le moment. Et c'est l'occasion pour nous lancer un pinga à la police nationale pour ne pas entrer dans une démarche et bastonner ou bien bavir policière les manifestations parce qu'en mesi situation, une crise politique là aiguisée ou bien en mesi pas jouer une solution, c'est comme ça que la protestation est capable d'intensifier. Même j'entends en mesi problème social, il y a pas de satisfaction, il y a une violation de monde capable de gagner plus et mobilisation ou bien contestation dans le pays. Donc là pour va présenter nous là ou bien nous va présenter nous, il y a trois parties la dernière que nous trois présenter, ma grande partie qui concerne contexte avec méthodologie de faire rapport et l'autre partie qui concerne droit nous passer en revue droit civil et politique, droit économique, socio culturel. Que Chahine a présenté. Et puis, bon, troisième partie dans le rapport, c'est les droits spécifiques que nous analysons avec certaines recommandations que Mademoiselle Samendina Limanjan a présenté. Donc, d'abord, nous avons trois, quatre éléments de contexte qui marquent l'année pour nous-mêmes au niveau défenseur plus qui dans le domaine des droits humains et qui permettent de nous analyser la situation du monde. D'abord, c'est crise politique là, qui était marquée par une instabilité institutionnelle dans le commencement de l'année 2020 avec fin mandat 50e législature là, on a parlé surtout député côté parlement inopérationnel à cause de discussions qui étaient gagnées sous mandat 10 autres sénateurs. Donc il faut qu'on ait 10 sénateurs qui étaient, mais le parlement pas capable de jouer le rôle pour voir de contrôle lui et qui vient bah, en mois de mars, l'exécutif est obligé de nommer un gouvernement pour contre lui, sans un accord politique, mais sans participation de l'autre pouvoir dans l'État, dans le Parlement qui gagne et doit de regard sur le gouvernement. Et tout de suite après la nomination du gouvernement, on vient gagner, nous tomber dans une crise de santé en deux pays, avec l'arrivée du coronavirus, qui sont une crise sanitaire au niveau mondial, mais qui affecte nous d'une manière particulière parce que nous sommes. Tout le monde a été craintif le fait que l'infrastructure sanitaire nous a fait un pile, mais heureusement, il n'y a pas de quantité de victimes que les scientifiques ont dit. Et l'autre élément, c'est les conditions de la vie qui ont dégradé en pile, avec la vie chère, le goudelin qui dévalue par rapport à dollars, le fait que les frontières étaient fermées un bon bout de temps, nous n'avons pas de provisionner, nous avons fait ça sur la République dominicaine. Donc ça vient faire un plus grand goût. Il y a plus de misère dans le pays. L'autre élément de contexte, c'est la situation de violence et insécurité généralisée et qui crée une sorte de peur et inquiétude car les citoyens et les citoyens, mais tout le monde qui a fréquenté le pays. Et dernier élément de contexte au niveau politique, c'est la décision du gouvernement prend pour, avec concertation en série des secteurs pour nommer un conseil électoral malgré pas de accord politique et mettre sous pied un comité et indépendant pour travailler sur la Constitution. Tout élément sérieux devine marquer l'année et la situation de l'homme a évolué et a affecté la question de l'homme. Ça, c'est ça que je dis pour le contexte. Et en termes de méthode, généralement, son rapport nous fait en fonction des travail, des monitoring nous fait sur la situation de l'homme dans le pays à chaque jour. Et à travers le moniteur, nous avons divers côtés qui ont même tout bah nous des informations et analyser information ça yo. Et en troisième source c'est monde qui vini porter plainte dans le bureau défenseur plus et nous analyser information ça yo en fonction de cadre normatif, ça veut dire loi paysan, constitution paysan et des conventions internationales qui a été signé et ratifié. Donc sous base ça nous analyser situation. Sans plus tarder, m'a passé Chahine à la parole qui présenter nos aspects doit inventorié dans le texte et puis après ça, je vais passer ça m'a dit là.
distingué. Nous devons suivre la politique dans le rapport là. Nous tenons compte du fonctionnement du système de justice là, de accès aux services publics et puis de droit à la sécurité et manifestation. Déjà, dans le commencement de l'année, nous avons gagné une décision du président Jovenel Moïse qui a commencé à faire un paquet de monde dans la population à protester. Et ce qui a mis fin au mandat de la majorité sénatoriale qui a mis le Parlement et pas à fonctionner. Et pas d'élection qui était pour venir remplacer le sénateur Sayo. Fait que le président profite de l'absence parlementaire pour lui publier yon grand quantité nombre de décrets et gen là-dedans qui pas tenu compte de institution indépendante et gen là-dedans tout qui pas tenu compte de démocratie à côté de ça des gagnent protestation qui était faite pendant l'année 2021 pour décision pour changer constitution côté que dans constitution lui-même dans article 282 pour arriver dans 284 il dit comment pour yo amender et on amendement qui portait une modification qui supposait faite devant Assemblée nationale et non par vote populaire qui c'est référendum et puis gain décision CEP et conseil électoral provisoire là tout que on paquet et secteur dans national là été contesté. Dans le fonctionnement du système de justice, là, nous constatons que à cause du pouvoir judiciaire là, qui n'est pas totalement indépendant, et acteurs dans le système de justice là, qui a travaillé tant que était chef tête, ça a mis un paquet de corruption et puis impunité à qui augmenté. Et mon paquet de grève tout que nous avons enregistré au niveau du système judiciaire là, qui sont dans le greffier, qui allait dans le juge, qui allait dans le commissaire du gouvernement, ça a paralysé le fonctionnement du système de justice là. Et l'insécurité à tout est paralysé le fonctionnement du système là. Nous avons exemple palais de justice qui de Port-au-Prince qui pas arrivé à fonctionner normalement à cause de l'insécurité. Et nous prenons exemple pour d'appel Port-au-Prince qui était fait près de 8 mois pas fonctionner. Nous prenons CSPJ qui n'a pas répondu présent pendant l'année 2021. Ça vient faire que il y a un paquet d'audiences correctionnelles civiles qui n'ont pas arrivé à faire assises criminelles. Et les principales victimes le plus souvent, c'est les gens qui sont en détention préventive prolongée, que délai n'est pas jamais respecté pour eux. C'est les gens qui sont victimes d'une infraction, le plus souvent et délit ou bien crime. C'est les gens qui sont arrêtés illégalement, les gens qui ont obtenu un recours civil, les gens qui sont victimes de le fait que le système n'a pas fonctionné. Et nous remarquons tout, et la population n'a pas confiance du tout dans le système de justice haïtien. Et nous prenons manifestation, les défenseurs plus enregistrés une trentaine de manifestations qui faites sur le territoire national. C'est des manifestations soit pour insécurité, soit pour demander départ au président Jovenel Moïse, soit tout pour demander plus bonnes conditions de travail avec salaire, soit et manifestations pour éducation. Et il y a plusieurs couches dans la société qui ont manifesté, élèves, étudiants, policiers, employés de l'État, etc. Et pour droit à la sécurité, nous rendons compte que le droit à la sécurité n'était pas respecté pendant l'année 2021. Déjà en 2019, nous avons une commission qui pouvait démanteler, qui pouvait désarmer et puis réinsérer les gens qui ont des amis légaux. Et en 2019, il y a eu 76 groupes gangs sur le territoire national. Là. Et en 2020, ils ont augmenté et tellement venu à l'aise que ils ont formé une propre fédération par eux. Pendant que le groupe gang a pris puissance en 2021, nous avons la police nationale d'Haïti face à lui-même pour stopper eux. Et il y a un paquet de dérives qui a fait dans l'institution qui vient de paraître impuissant face à l'insécurité. Et parce que yo même policiers yo yo tellement pas tenu compte de travail yo de bonnes conditions pour yo ta travail ils mettent policiers dans frustration à tel point que y a manifesté en dehors de constitution parce que constitution lui-même dans article 31 il interdit pour moun a manifester avec zam. Et puis il y a un groupe qui formé en de police nationale qui fait fantôme 609 que au état major là pas de contrôle parce que c'est des monde qui cagoulé ou pas ca identifier qui est-ce qui policier qui est-ce qui pas policier et donc il a manifesté ça te vient faire que groupe gang yo même était fait si à l'aise pour yo faire mauvais actes pendant l'année 2021. Nous gagnons droit à la vie qui pas respecté dans mitan droit pour moun ta gen sécurité. Et défenseur puisse enregistrer presque 900 cas assassinats qui fait. C'était toute qualité monde qui t'a mouru, si monde, élève d'école, étudiant, avocat, et commissaire du gouvernement, policier, toute qualité monde. Et ça côté monde qui perdu la vie parce que des gangs qui t'a fait guerre. Donc, et majorité monde ça y que détruit la vie, et auteur et crime ça y continuer à circuler librement et à commettre leur crime toujours et à continuer à assassiner monde. Nous des kidnappings qui t'es marqué année 2021.
et nous avons à peu près 1000 cas de kidnapping que nous enregistrons par rapport avec témoignages et victimes de kidnapping ou bien moun qui étaient assistés à un kidnapping ou bien données policières ont à peu près de 1000 cas à nous diviser par 52 semaines et puis ensuite diviser par 7 jours dans une semaine, ça vient à peu près 3 moun qui kidnappés par jour et pas une fois police na... policiers yo arrivé aller libérer un otage et arrêter kidnapper. Ça vient faire que kidnapper même yo vient faire de kidnapping dans un business côté que ni moun qui gagne l'argent ni moun qui pas gagne l'argent pas épargné. Nous prend cas accident et cas fait sur route côté nous enregistré par rapport avec stop accident 1000 accidents qui t'a fait pendant année 2021 et les nous mettait le fait que pas gagne frais santé un paquet moun mourir à cause et mourir ou bien handicapé à cause de accident. Pour droit social, économique et culturel, nous prenons en compte dans le rapport là, droit à l'éducation. Côté année académique 2019-2021, était venu paralysé à cause de pandémie COVID-19 qui était venu sur le territoire. En pile l'école n'était pas fini le programme et en pile l'autre tout est fini par rapport avec les moyens technologiques que vous avez gagné. Ça qui n'a pas de moyens technologiques. Et programme ça n'a pas vraiment fini respecté pour l'année académique. Là, ça a été prouvé comment le ministère de l'Éducation nationale lui-même n'a pas gagné contrôle sur l'école qui est sur le territoire national. Là. C'est chaque maître l'école et directeur de l'école qui fait en sorte pour et quitter l'école par fonctionner les gens qui voulaient. Il n'y a pas qu'un élève qui a manifesté parce qu'il n'y a pas de professeur. Ça a été fait au frustré à tel point pour attaquer l'école qui a fonctionné. Il y a l'école qui n'a pas arrivé à fonctionner à cause de l'insécurité de groupe qui a fait gain. Tant que John Belay, Badelma, Gantier, Petite Rivière de l'Antibonite, l'école là qui pas fonctionné à cause de groupe gang. Nous prenons droit à l'alimentation et la population haïtienne ne continue pas à manger. Et nous avons un brin d'espoir pendant l'année 2021, dans mi-août pour arriver mois d'octobre, le dollar est fonti descendre. Et ça a été fait que la population a passé à cause de produits qui ont commencé à descendre, qui ont avalé bon souffle. Mais nous avons recommencé à monter encore, genre économie sur le prévoile. Et pour nous finir, à droit à la santé. Et malgré la pandémie COVID-19 là, qui est arrivée sur le territoire national, là, qui était une occasion pour renforcer le système sanitaire, là, on n'y est pas fait. À tel point que les médecins dans l'hôpital public, yo, en pile là-dedans, ont désisté, ont abandonné, qui étaient malades à souffrir, qui étaient femmes qui étaient besoin d'accoucher, pas qu'à jeunes soins, parce qu'ils ont trouvé qu'ils n'ont pas dans une situation, dans une bonne condition pour faire face à la pandémie. Hein. Et ça vient de faire tout. Que gen on paquet l'hôpital tout qui était fermé service urgence qui était malade à souffrir té gen grève tout que nous té observé dans système santé a personnel justice dans l'hôpital public yo t'a fait grève parce que yo pas payé yo et a travaillé dans mauvaise condition qui té un paquet malade à souffrir à cause de matériel et puis personnel yo des fois qui pas travail et on l'autre nous fait pendant l'année 2021 gen un paquet sensibilisation qu'a fait pour soit et pour COVID-19 et sport ça yo passé seulement dans arrondissement Port-au-Prince là yo quitté majorité dans population dans ignorance. Merci. J'en ai toujours fait chaque année collectif défenseur plus dans rapport annuel toujours voyager garder droit spécifique yo. Pendant année ça dans année 2021 nous t'ai gardé ensemble droit timoun yo, droit femme yo, droit migrant yo et puis droit moun qui vivent dans cette situation handicap. Je ne tout connais l'année 2020, c'était vraiment une année compliquée. Côté timoun yo pas suspend, sibi mauvais traitement. Nous t'ai commencé année avec une nouvelle terrible côté 15 timoun t'ai rivé perdre la vie dans un incendie qui t'ai pété dans un orphelinat. Et ça presque gain un an côté l'état pas jamais dit rien, nous pas jamais tendre sanction pour moun qui t'ai responsable zak malhonnête ça. Et année en tout pas facile pour l'autre timoun yo, timoun qui t'ai rete en vie yo parce que corona t'ai vinn et mettre droit l'éducation yo en danger et après confinement gon paquet qui pas ka reprendre chimé l'école et n'a gardé ensemble droit femme yo comme nous connaissons femme yo fait partie de groupe qui marginalisé ou encore qui plus vulnérable dans société a pendant année ça femme yo pas épanoui situation était vraiment terrible les nous considérer dans service assistance que nous ba femme qui victime violence dans défenseur plus nous t'ai enregistré environ 200 cas ça qui démontre à clair comment situation femme yo dans société a dégénéré nous t'ai gardé tout situation moun qui handicapé yo nous connaît depuis longtemps moun handicapé yo c'est groupe moun qui plus subit discrimination qui plus subit mauvais traitement et année 2020 t'ai montré à clair comment situation moun sa yo pas changé au contraire situation moun sa yo a vinn pi mal ça qui fait que collectif défenseur plus t'es vraiment
pren en considération situation moun kap vive avec handicap yo. Nous te gade yon troisième groupe droit spécifique qui c'était droit migrant yo. J'en nou tout konnen depuis plus passé 10 ans, on paquet haïtien ap kouri kite pays ap yal réfugié yo dans l'autre pays tankou Brésil, Chili et pendant l'année 2021, corona t'est vraiment mis ton barrière qui t'est empêché en pile haïtien parti en pile haïtien qui t'est gagné ça dans l'idée yo. Mais ça pas empêché situation migrant yo ça dans l'autre territoire t'est malouk et nous a cité parmi yo 60 plus que 60 000 haïtiens qui t'est déporté de façon arbitraire pendant période confinement même parce que l'état dominicain pat entendre kembe moun sa sur territoire là il était déporté de façon arbitraire ça qui t'est posé problème parce que je nous tout connaît les migrants yo gen des droits et déportation gen façon que ça fait pour nous finir nous te garder droit environnement je nous tout connaît environnement haïtien a délabré chaque jour plus conditions de vie nous a vinn pi mal les nous garder quantité fatra qui gen dans chaque rue dans Port-au-Prince et dans l'autre ville province tout qui a suivre Port-au-Prince dans question insalubrité nous juste à poser tête nous question est-ce que gagne la mairie est-ce que la mairie existait toujours dans pays a et n'a garder construction anarchique qui passe semaine fait un peu partout dans pays a que ce soit moun qui a construit dans ravine sous tête monde ça qui gagne gros conséquences sur environnement ça qui ca mettez la vie nous en danger et les phénomènes naturels qui va transformer phénomènes naturels ça en des catastrophes naturelles. Collectif Défenseur Plus toujours fait rapport ça dans l'idée pour sensibiliser et puis pour faire un travail de plaidoyer tout pour lui inviter l'état haïtien changer fusil d'épaule pour capable garantir droit fondamental à chaque citoyen haïtien et en même temps tout et Collectif Défenseur Plus finir rapport ça avec une série de recommandations parmi eux c'est mandé l'état pour y capable garantir droit à la vie droit à la sécurité chaque grand citoyen pendant la garantie bon gens conditions de travail pour PNH là pour PNH là capable river réaliser mission qui c'est protection et sécurité population et collectif défenseur plus a mandé tout pour l'état haïtien capable river garantir droit à l'éducation droit à la santé droit à l'alimentation chaque grand citoyen parce que li pas normal pour nous vivre dans pays les monde malade li pas ka joindre soin que cal nécessité ni a demandé pour l'état capable garder conditions de travail personnel soignant yo qui vraiment besoin assistance yo capable continuer faire travail yo le collectif défenseur plus a fini pour demander l'état fini j'ai gardé comportement haïtien par rapport à environnement fait de campagne de sensibilisation pour capable permettre que population gagne un autre comportement vis-à-vis de environnement parce que environnement a dégradé chaque jour plus et la demande des population en tout pour capable lever camper demander l'état haïtien respecter et garantir droit chaque grand citoyen parce que n'est pas normal pour nous vivre dans une société côté droit qui attaché avec nous comme monde continuer à violer chaque jour plus et la demande population goumé lever camper pour nous capable river jeune société qui juste et puis égalitaire merci d'accord.